Nous allons regarder quelles sont les énergies de la journée, de la semaine ou des jours à venir. Vous savez, les choses sont bien faites, on ne peut pas savoir, on ne peut pas. Les choses arrivent au moment opportun. On va regarder les énergies des prochains jours. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'espère que vous voyez toutes les cartes ici. Bon, au centre de votre jeu, on a le déménagement et un nouveau départ. Donc ici, vous allez partir parce que ça ne va plus dans votre vie de chez vous. Vous allez partir, vous allez avoir enfin l'argent que vous vouliez ou l'argent que vous avez désiré ici pour pouvoir prendre un nouveau logement, pour aller vers un nouveau départ. Donc il y a vraiment l'occasion qui va se présenter, une chance pour ce nouveau départ là, pour que vous puissiez mettre fin à une situation qui ne vous convenait plus, pour complètement changer de phase ici, parce qu'on a des personnes ici, soit il y a l'argent qui va prendre. Il y a l'argent qui va venir, je ne sais pas d'où, si vous étiez en manque d'argent ou si vous étiez ici avec, vous avez des difficultés financières, on vous dit clairement, il y a l'argent qui va entrer, il y a quelque chose qui va vous apporter l'argent ici. Un peu comme venu de nulle part, soit c'est quelqu'un qui va vous aider ou alors c'est vous-même qui allez mettre en place votre créativité ou vous allez trouver une solution ou une idée qui va faire en sorte que vous puissiez récolter cet argent-là. Et pour pouvoir déménager, pour pouvoir sortir de la maison où vous êtes actuellement, aller vers autre chose, complètement changer de position, complètement changer de face, pour vous reconstruire aussi. Donc, on a des gens ici, soit il y a eu beaucoup de difficultés, vous avez beaucoup, vous avez vécu, vous avez dû passer par pas mal de difficultés financières. Hein, difficultés financières et que enfin les choses commencent à, vous commencez à voir le bout du chemin, quoi. Vous commencez à enfin avoir un truc, un début de solution à tout ça et vous avez décidé de laisser tomber derrière vous. Donc c'est clairement, c'est quelque chose de bien parce que vous avez ici, il y en a ici qui en ont, vous en avez pas mal bavé quand même. Hein. Mais on te dit clairement, les choses vont bien se passer. Si tu vas, il y a cet argent-là qui va clairement t'aider à sortir d'une situation ou à clairement un renouveau. Couper court ou couper tout simplement avec, avec ce qui n'avait plus lieu d'être ici pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, ça rejoint, c'est exactement ça. Je ne vais pas vous dire les mêmes choses. Hein. C'est clairement ce que je vous dis. Nouveau départ, résoudre ses problèmes, trouver la solution et partir. Partir, laisser derrière soi les souffrances, clairement tourner la page. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais vous allez... Vous tournez la page pour ne plus vivre ça. Vous allez complètement... C'est tourner la page même. C'est possible que vous ne tourniez pas que la page. C'est possible que vous allez complètement à l'opposé de celle ou de celle que vous êtes aujourd'hui. Hein, pour complètement oublier cette sombre... Cette période sombre de votre vie. Parce que vous en avez pris pas mal, hein. Vous avez, et entre-temps aussi, certainement, au niveau, vous avez aussi dû avoir, soit vous avez eu même des saisies aussi, c'est possible que vous ayez des saisies ici, qu'il y a eu un temps vraiment où vous n'avez plus rien financièrement, il n'y avait plus rien du tout, rien de rien. Que c'est comme, c'est un peu comme si le soleil enfin revenait dans votre vie, vous voyez? Après un long et dur combat ou après les difficultés, parce qu'avec le cercueil ici et la croix, complètement autre chose. Hein. Je ne vais pas vous parler de... Mais complètement autre chose. C'est possible aussi qu'il y ait eu... C'est possible aussi qu'il y ait eu un deuil. Hein. C'est possible qu'il y ait eu un deuil et que c'est ce deuil-là un peu qui vous a comme
donner la force et le courage aussi de passer à, de partir et de passer à autre chose. Hein. Et que quand c'est arrivé, vous avez dit, je ne sais pas pourquoi je suis encore là, je ne sais plus ce que je fais là. Je n'ai plus rien qui me retient ici, soit dans cette famille, soit dans cette ville, soit dans cette maison. Je préfère partir et recommencer ailleurs. Tout couper, hein, parce qu'on a clairement quelqu'un ici qui va partir et qui part, sans regarder derrière, qui coupe tous les contacts et qui dit plus envie d'entendre parler de vous, plus envie d'entendre parler de ce coin-là où j'étais, ou même de cette famille. Ne votez pas. Bon, elle n'est pas longue cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle vous a parlé, parce que le but aussi c'est ça, c'est que ça vous parle et que ça vous donne du moins, comme je dis toujours, un début de questionnement, un début de réponse à vos questionnements. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.